La chaîne des sciences de la vie et de la Terre USVT présente la reproduction sexuée chez une mousse, le polytrique. Les mousses font partie des bryophytes. Ce sont des plantes sans fleurs, n'ayant ni racines, ni tissus spécialisés pour la conduction de la sève. Ce sont des plantes chlorophylliennes de petite taille, qui poussent dans les milieux humides. Elles se développent en touffes serrées et étendues sur tous les terrains, les pierres, les écorces et les rochers. Le polytrique est une mousse qui pousse généralement en colonie au pied des arbres. L'appareil végétatif de ce polytrique est simple, il se présente sous deux formes, un gamétophyte qui peut être mâle ou femelle, et un sporophyte qui vit en parasite sur le gamétophyte femelle. Le gamétophyte du polytrique se présente sous deux formes, un gamétophyte mâle qui produira des entérozoïdes, et un gamétophyte femelle qui produira l'oosphère. Une fois les entérozoïdes et les oosphères mûrs, l'apparition d'une fine couche d'eau à la surface du protale est suffisante pour fissurer la membrane des entéridies et ouvrir les archégones. Les simples gouttelettes d'eau, qui se trouvent à la surface des feuilles, suffisent pour que les entérozoïdes libérés par les entéridies dans le milieu extérieur, nagent à l'aide de leurs flagelles pour rejoindre l'archégone. Grâce à leur mobilité, les entérozoïdes libérés se déplacent vers l'archégone, attirés par chimiotactisme. Les gamètes mâles pénètrent par les coups, pour aller rencontrer des oosphères. Chaque oosphère sera fécondée par un seul entérozoïde. L'œuf fécondé prend naissance ainsi, par la fusion des noyaux des deux gamètes. L'œuf se multiplie aussitôt après la fécondation, et donne un embryon qui vit en parasite sur le gamétophyte femelle. L'embryon se transforme ensuite en sporophyte qui porte un sporange à son extrémité. Le sporophyte diploïde présente au niveau du sporange des cellules mères diploïdes qui vont subir la méiose pour produire un grand nombre de spores haploïdes. Les spores seront libérées et emportées par le vent, lorsque l'opercule de la capsule s'ouvrira.
En tombant sur la terre humide, chaque spore germe, se divise de nombreuses fois pour former un protonéma, sorte de réseau filamenteux haploïde fixé par des poils rhizoïdes. Sur le protonéma se développent des bourgeons, qui développeront autant de nouvelles tiges feuillées, ce sont de nouveaux gamétophytes. Le polytrique présente des touffes de pieds mâles et de pieds femelles qui sont haploïdes. Les pieds mâles produisent des entérozoïdes dans des entéridies, et les pieds femelles produisent des oosphères dans les archégones. Ce sont des gamétophytes. La fécondation donne un zygote diploïde, qui se développe sur le gamétophyte femelle, et donne un sporophyte diploïde, au sommet duquel un sporange libère des spores haploïdes. La germination des spores donne une touffe de mousse haploïde. On constate l'alternance entre deux générations, une haploïde, le gamétophyte, et l'autre diploïde, le sporophyte, séparés par la méiose et la fécondation, qui sont bien distinctes durant ce cycle. Donc c'est un cycle haplodiplophasique.